C'est ici, dans ce superbe décor des Alpes de Haute-Provence, que Jean-Michel Bayle a vu le jour le 1er avril 1969. Manosque, petite ville du sud de la France, est située à égale distance de Digne et d'Aix-en-Provence, mais un autre personnage du cru s'est déjà rendu célèbre dans le monde des sports mécaniques. Et leurs chemins se sont croisés, il y a longtemps, au milieu des oliviers. Quand j'ai travaillé dans la cascade à mes débuts, ils étaient, je peux dire, tout le temps entre mes jambes. Je me revois faire mes courses au magasin qui est en face de l'entrepôt de leurs parents. Et Jean-Michel passait ses journées dans ce magasin. Et chaque fois que j'arrivais, il me déboulait dans les jambes. Et il était contre moi et j'étais son idole. Je crois que j'étais son idole. Je ne veux pas être trop prétentieux, mais moi je l'ai vu, Jean-Mi, je l'ai vu vraiment grandir, traverser les époques. Et il y a des images, deux images très fortes d'ailleurs. Cette première image où il devait avoir 8-9 ans, où il m'a déboulé dans les jambes un jour où j'arrivais chez lui. Il était pour me montrer ses dernières fantaisies à moto, parce qu'il avait une petite tremplin et il faisait des trucs. Et dernièrement, au mois de septembre-octobre, la même scène s'est produite. Là, je passais avec ma voiture devant les tennis et j'ai vu un petit jeune sur un vélo, un mountain bike, qui me faisait de grands signes. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce gamin-là, c'est un fan. Alors, un peu plus loin, je me suis arrêté. Je vais revenir à fond de train sur son vélo. Et avec son bandeau dans les cheveux, c'était Jean-Mi. Et j'ai retrouvé là l'image du même. Pour moi, il a traversé les années, il n'a pas du tout changé. C'est devenu une star, c'est sûr. Mais à mes yeux, il n'a vraiment pas changé. Le témoignage d'Alain Prieur a pris une dimension exceptionnelle depuis que la trajectoire de cet homme de cœur s'est brisée en plein vol en tentant une fois de plus l'impossible. À Manosque, fief de la famille Bayle, la vie s'écoule paisiblement. Jean-Michel s'y ressource et retrouve par la même occasion les gestes qu'il accomplissait, enfant, en ces mêmes lieux. Pourtant, le gamin du Midi a rejoint sous d'autres cieux le Panthéon des stars. Dans le sous-sol de la maison familiale, JMB peut plonger dans ses souvenirs. J'ai commencé à 8 ans à peu près à faire de la moto pour la première fois dans le jardin. Et puis après, ça a passé un peu plus sérieusement vers les 12 ans où j'ai commencé à participer à des courses régionales en 80 cm3. Et par la suite, j'ai commencé au championnat 80, donc j'ai été champion de France 2 fois. Vestige d'une époque révolue, prémisse d'une carrière unique dans les annales du sport moto, les documents traduisent la volonté du petit Jean-Michel. Champion de Provence mini-vert à 12 ans au guidon d'une Yamaha en 1981, il récidive l'année suivante et triple ce succès en 83 à 14 ans. Déjà, sa volonté traduit ses ambitions futures. J'ai découvert ce garçon et je me suis dit que vraiment, il avait une politique de course qui me plaisait beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé, c'était à Charleval, je me rappelle, j'ai pensé qu'il irait loin. Et tout le monde se rappelle ce truc-là parce que je ne sais pas ce qui m'avait pris, mais j'avais l'impression. Et au cours d'un de mes voyages à Paris, j'étais pilote chez son auto à l'époque, je lui ai redescendu une 80, quoi, un 80 pour qu'il puisse rouler. En 1984, il tourne la première page de sa carrière et remporte à 15 ans le Trophée de France mini-vert. Si mes parents n'avaient pas été là, j'aurais perdu du temps. Et ça m'étonnerait que j'aurais été à ce niveau à ce moment-là. Donc je pense que ça m'a fait gagner du temps. Et ils ont su me donner la chance de pouvoir faire ce sport, je l'ai prise. Il faut voir aussi que en France, il y a à peu près 500 pilotes qui ont la même chance que moi et qui ne l'apprennent pas. Conscient de ses qualités, Jean-Michel étonne surtout par son extrême lucidité que certains peuvent prendre pour de la réserve ou même de la froideur. J'ai changé de catégorie puisque je suis passé en 125 et c'est un transfert qui est très dur à faire quand on est jeune de rouler d'un 80 et de passer sur un 125. J'ai bien réussi ce transfert et j'ai commencé mes premières années de Grand Prix où j'ai fait 21e la première année. Et puis après il y a eu mon passage de chez Kawasaki Honda qui m'a beaucoup motivé à bien rouler. Et là, de suite, j'ai fait 3e au championnat du monde. Et l'année d'après, donc c'était l'année dernière, j'étais champion du monde.
Je pense que Jean-Michel est un génie comme l'était Michel Rougerie. À ça près que Jean-Michel, à son état de, à ses capacités énormes qu'il a à rouler sur une moto, a une éthique de vie, une hygiène de vie qui est parfaite. Et c'est là qu'on voit pourquoi Michel n'est jamais arrivé à être au top niveau, alors qu'il en avait largement les moyens et les capacités. Et Jean-Mi, en quelques années, est devenu au firmament uniquement pour cette raison de discipline en plus. Donc à la fois, il a le talent et il a l'intelligence du talent. Hyper doué, terriblement travailleur, Jean-Michel a progressé sous le regard de son frère Christian. On a commencé à faire la moto ensemble parce que bon, on m'a offert la première moto. Et mes parents, pour pas qu'il y ait de jaloux, ils en ont offert une à mon frère aussi et on a commencé ensemble. Pour moi, c'était au début donc un loisir, c'était pas un sport. Et peut-être je l'ai pris moins à cœur que lui dès le départ. Et je pense que c'est après que ça s'est vu, parce que bon, moi j'ai passé de suite en 125, lui il a fait quand même 4 ans 80. Donc ça a été une bonne école pour lui. Et moi, il a fallu que je me batte de suite avec les gens du 125. Et puis quand il a fallu qu'il joue son titre de champion du monde, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour pouvoir l'aider. Si je pouvais gêner un adversaire ou n'importe quoi, je le faisais. Ou le protéger lors d'un départ comme en Finlande, que les Hollandais voulaient le foutre par terre. On s'était mis, moi et Patrick Perrier, pour le protéger. Mais par exemple, au championnat de France, où moi je jouais ma deuxième place, il m'a aidé de son côté. Il m'a laissé partir devant et il restait deuxième pour que je prenne le maximum de points derrière moi. Jean-Michel, c'est un cas à part. Je veux dire, il faut plus y compter, c'est tout. Je veux dire, si m'entend qu'ils disent qu'il est doué, il va gueuler, mais il a travaillé, il est doué, et il n'y en a qu'un comme lui. Je veux dire, il n'y en aura pas de 250 000. Avant qu'il y en ait un autre comme ça en France, je crois qu'on peut attendre encore des lustres. À 17 ans, en 1987, champion de France 125 cm3 et champion de France Supercross en 250 cm3, le kid de Manosque remporte les Grands Prix d'Allemagne et d'Autriche et arrache la troisième place finale au championnat du monde. L'année suivante, il décroche sa première couronne mondiale, la première d'un Français dans cette catégorie, grâce à 5 victoires en Grand Prix et reconduit ses 2 titres nationaux. Quand j'ai commencé au début, je chutais beaucoup parce que bon, je voulais apprendre et je faisais des trucs que je ne savais pas faire, donc je chutais obligatoirement. Et bon, je me suis cassé le genou, je me suis cassé la clavicule, je me suis cassé 3 fois le même poignet, dont un en début d'année. Donc bon, on n'est pas parfait, tout le monde tombe. En 89, Jean-Michel saute le pas et s'aligne en 250 cm3. Il affiche une confiance inébranlable et ne paraît ressentir aucune pression face à l'enjeu. En 250, cette année, ça a été assez différent car c'était jamais le même pilote qui gagnait les mêmes épreuves. Et donc, je ne sais pas encore les pilotes qui vont être vraiment forts et les pilotes qui vont être vraiment dans l'arrière du classement. Mais je pense qu'il y aura 5-6 pilotes qui seront très vite. C'est sûr, je change de catégorie, mais Deberg a changé de catégorie l'année dernière et a été champion du monde, donc je ne crois pas que ça soit un gros problème. Les résultats vont, une fois de plus, donner raison à Jean-Michel malgré une blessure en début de saison. À force de talent et de détermination, il écœure ses adversaires et devient champion du monde 250 cm3 à l'issue de sa première saison complète dans cette catégorie. Avec 6 victoires, en Tchécoslovaquie, Hollande, Venezuela, Allemagne, Suède et Belgique, il écrase la concurrence et commence à penser que le championnat du monde n'est plus assez motivant pour lui. À 20 ans, Bale est certain que son avenir est tracé de l'autre côté de l'Atlantique.
bien. L'apparente facilité dont Jean-Michel Bayle fait preuve dans la majorité des circonstances n'est qu'un leurre. En fait, cette précision des trajectoires, cette maîtrise sur les bosses et dans les whoops, cette constance dans la performance sur tous les types de terrain découle de longues journées d'entraînement. J'essaye de m'améliorer tout le temps, même si je ne m'améliore pas, au moins de rester au même niveau, donc j'essaye de tout le temps de trouver des nouvelles choses. Et pour un supercross évolue très vite, avec tous les jeunes pilotes qui arrivent, ils trouvent toujours des nouveaux petits trucs, donc il faut être dans le coup pour pouvoir gagner. Quand on accélère en l'air et qu'on passe une vitesse, la roue arrière tourne plus vite et ça change la force centrifuge. Et ça arrive à nous faire partir un peu sur l'arrière. Et puis si on met un coup de frein en débrayant bien sûr pour pas caler, la moto repique de l'avant car ça stoppe l'énergie. On regarde très loin devant parce qu'il faut savoir anticiper à l'avance, parce que quand on arrive dessus c'est trop tard à la vitesse où on va. Donc il faut déjà prévoir les trajectoires du... Quand on saute un double, il faut prévoir le virage déjà qui est après. Donc il faut essayer de tout voir à l'avance et de tout visionner avant qu'on arrive sur l'obstacle. Cette fois, Jean-Michel sait qu'il a lui-même placé la barre encore plus haut. Au-delà des clichés de cartes postales, les USA et la Californie représentent surtout le paradis des pilotes de cross. C'est là que se retrouvent les meilleurs de la spécialité, ceux qui dédaignent même de venir se confronter aux pilotes européens, tant leur supériorité paraît incontestable, tant leur suprématie est unanimement reconnue. Ce paradis peut aisément se muer en enfer pour le jeune Frenchie, dont ses nouveaux adversaires ignorent même exactement où se situe le pays d'origine. Ricky Johnson, Jeff Ward, Jeff Stanton, Damon Bradshaw, Johnny O'Mara, Jeff Matiasevich vont apprendre à leurs dépens de quel poignet Jean-Michel s'occupe le plus lorsqu'il attrape un guidon. En début de saison 89, il vient participer, malgré ses côtes fêlées à Genève pendant l'hiver, à quelques épreuves aux USA à titre de test. Il en profite pour remporter les supercross de Phoenix et Paris, termine deuxième à Miami et occupe, par la même occasion, la première place du classement général provisoire du championnat 250 cm3. Il remporte aussi le motocross de Gainesville en 250 et une Adia en 500. La preuve est faite, les Américains, chez eux, ne sont pas imbattables. Il y a beaucoup plus de pilotes qui roulent vite par rapport en Europe et surtout en France. Et pour moi, c'est quand même mieux de faire tous les dimanches une course comme celle-ci que de faire un championnat de France. Fort de cette certitude, Bayle peut retourner en Europe décrocher son deuxième titre de champion du monde en 250, précisément, mais Johnson lui-même est impressionné. Jean-Michel Bayle est un pilote très fort, il est très rapide, mais aussi très doux. D'ailleurs, il est champion du monde, j'attends avec impatience de me mesurer à nouveau à lui. Et il n'y a pas que Johnson à attendre JMB au détour de la piste. Les stars américaines n'aiment pas beaucoup qu'on vienne leur faire de l'ombre à domicile. C'est pourtant bien ce qui va se passer. Son deuxième titre mondial en poche, Jean-Michel sait qu'il n'a plus rien à gagner en restant en Europe. Fin 89, il s'installe donc à demeure dans une maison tout près de Los Angeles, à Redondo Beach, en compagnie de son ami Edwige. Là, il peut recevoir ses copains et se préparer dans les meilleures conditions pour défier les Américains chez eux. Thank you.
Je suis venu la première fois il y a à peu près 2 mois pour venir un peu m'organiser. Et puis là maintenant ça fait à peu près un mois et demi. Ça change un peu de Manosque un peu. C'est toujours le même endroit, les mêmes terrains d'entraînement. Donc c'est un peu une autre motivation, un peu de venir rouler ici. Et en même temps ça va me faire progresser puisque je vais rouler avec des pilotes beaucoup plus forts que moi. Et ça va être bien pour ma carrière. Il en faut plus pour l'impressionner, mais cette fois, Jean-Michel va devoir s'imposer devant plusieurs dizaines de milliers de fans dans le fameux stadium d'Anaheim, l'un des hauts lieux du Supercross US. Cette fois, Bradshaw, Johnson et consorts sont prévenus. Le kid de Manosque a les dents aussi longues que les leurs. Bale découvre également l'ambiance qui règne dans le milieu des sports mécaniques aux États-Unis, faite de décontraction et d'une certaine convivialité dans le paddock. Elle change du tout au tout sur la piste où presque tous les coups sont permis. Heureusement, le Français bénéficie des conseils avisés du champion Roger De Coster, lui aussi expatrié aux USA. Le multiple champion du monde belge travaille pour American Honda et son soutien technique et tactique va être précieux pour le double champion du monde français. Il ne reste plus qu'à se jeter dans l'arène avec la volonté de manger avant d'être mangé. Le cross US a la réputation d'être rugueux. Là, il n'y a qu'une seule règle, chacun pour soi. Bale sait qu'il est en passe de relever le défi le plus exigeant qu'il se soit imposé jusque-là. Il aura besoin de toute sa volonté, de toute sa détermination pour apprivoiser cet univers hostile, loin de ses attaches. Pour ce premier test grandeur nature au pays du Coca et des Whoops, les débuts sont difficiles à Anaheim et Houston. Ses performances lui avaient permis de figurer en 17e position du championnat US de Supercross 89 après avoir seulement disputé le début de la saison, mais cette fois il doit lutter pour le titre. En 90, il rate de très peu lors de la finale au Coliseum de Los Angeles l'objectif qu'il s'était fixé pour sa première saison complète aux États-Unis et il devient vice-champion de Supercross 250 après avoir remporté 5 épreuves comme Bradshaw à Dallas, Pontiac, Tampa, Foxborough et East Rutherford. Un accrochage à Charlotte avec son propre équipier Kidrowski ne l'a pas aidé pour le titre. Pour faire bonne mesure, JMB termine 4e du championnat américain de motocross 125 avec 4 victoires à son actif. Après une seule saison outre-Atlantique, Jean-Michel est déjà une star pour le public américain. Les pilotes américains sont les meilleurs pilotes au monde et que bon, moi je suis le meilleur européen. Donc le seul moyen pour devenir vraiment meilleur au monde, c'est d'aller les battre chez eux. Donc, et en même temps, ça va me faire progresser. Déjà, les pilotes qui sont à une course de championnat de Supercross aux États-Unis, ils ont déjà fait beaucoup de courses pour pouvoir arriver là. Et ceux qui sont vraiment là, c'est vraiment qu'ils sont bons. Et c'est vraiment parce qu'ils ont
qu'ils en ont eu envie et qu'ils ont travaillé. Donc déjà, ils ne sont pas là pour rigoler, ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Au début, bon, c'est sûr, ils me prennent un peu pour quelqu'un qui vient d'une autre planète, quoi, qui vient dans un endroit qui n'est pas pour lui. Donc ça fait un peu bizarre. Mais maintenant, ça fait presque... j'ai fait beaucoup de courses avec eux et ils me considèrent un peu comme un Américain maintenant, donc un peu comme eux. Avant, quand je les doublais, ils aimaient pas trop parce qu'ils savaient que j'étais européen et que j'étais français et que pour eux, ça les gênait beaucoup. Mais maintenant, ils ont appris à savoir que bon, j'étais au championnat des États-Unis et que j'étais un concurrent comme un autre. Faire troisième ou deuxième, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie. Je veux essayer de... Si je prends un départ d'une course, c'est pour essayer de la gagner. C'est pas pour essayer de faire dans les cinq premiers et de dire « Oh, je suis content, j'ai fait troisième ». Je veux pas essayer... Je veux pas surtout tomber dans la routine du pilote de motocross qui dit « Bon, qui va à la course comme il va au travail, quoi ». Donc je le fais parce que ça me fait plaisir et parce que j'ai envie de le faire et parce que j'ai envie de gagner. En 91 à 22 ans, c'est la consécration absolue. Grâce à 8 victoires, la première à Houston, il devient champion des États-Unis de Supercross et remporte également les championnats américains de motocross 250 et 500, sans oublier le Grand Prix des États-Unis 500 cm3. L'ouragan Bayle a bousculé les Américains chez eux en réalisant un exploit unique qu'aucun champion n'était parvenu à signer jusque-là. Jean-Michel est devenu une véritable légende de l'histoire du motocross. Il arrive à gagner sans prendre beaucoup de risques aussi. Il y a des pilotes comme Bradshaw, ils vont très vite. À certains jours, ils sont même plus vite que Jean-Michel. Mais il est toujours à la limite. Il devrait être aveugle s'il n'apprécie pas les qualités de pilote de GMB, la façon dont il roule. Et c'est ça, justement, je crois qu'il l'énerve encore plus, c'est qu'il arrive à rouler très vite et à les battre en roulant, en donnant l'impression d'être bien en dehors de sa limite. Parallèlement à ses participations suivies aux différents championnats, Bayle prend part à plusieurs supercross internationaux où il retrouve ses copains journalistes comme Pat Boulan. Mais la gloire le poursuit partout. Son père Guy le suit également dans ses déplacements européens. Ici, à Maastricht, il n'est pas loin de ses bases et Jean-Michel évolue dans une ambiance qu'il connaît bien et qu'il apprécie. Cette fois, c'est Ricky Johnson qui se trouve isolé et Christian Bayle participe aussi à ce supercross. Pat Boulan apporte son précieux témoignage pour expliquer le phénomène Bayle. Tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 30 ans, ça existe dans tous les sports, en football, en voiture. Il naît un super champion. Jean-Michel en fait partie. Et Jean-Michel est en plus, contrairement à ce que beaucoup de monde pense de lui, un bosseur infatigable. Hommage d'un professionnel trop tôt disparu à un autre professionnel avant que ne se déchaîne une fois de plus la tornade JMB sur la piste. En tout cas, partout, le public en redemande.
Jean-Michel, du jour où il a décidé qu'il serait un pilote de motocross, il s'est dit « je veux être le meilleur », il a tout fait pour. Il a dépensé, il a investi en Amérique pour en tirer les fruits. Donc à ce moment-là, les Ricains, Ricky Johnson en particulier, rigolaient gentiment du petit Frenchie. Puis s'est passé le premier supercross officiel à Anaheim, où Jean-Michel et Ricky ont quasiment viré ensemble au premier virage. Et puis Ricky se déportant, Jean-Michel est tombé à la fin de la course. Ricky m'a dit « vous avez un super clown en France, hein. Il trouve le moyen de tomber et de se retrouver sur les pieds, toujours sur le temps de la plaisanterie ». La deuxième grosse rencontre entre eux, ça a été donc le Grand Prix des USA où Ricky a gagné les deux manches. Donc à ce moment-là, Ricky riait encore gentiment, même s'il reconnaissait sa valeur. Et puis il y a eu le championnat 500, les derniers Supercross. Et là, Ricky est préoccupé par le phénomène Jean-Michel Bail. Et pour des personnes qui le connaissent très bien, il commence même à faire un petit blocage psychologique. Et on sait à quoi ce blocage va aboutir très bientôt. La tornade JMB va bousculer le monument Johnson. L'Américain porte encore la plaque numéro 1 sur sa machine et Jean-Michel reste fidèle à ce numéro 111 qu'il affectionne, c'est-à-dire trois fois premier. Mais suivons cette finale de l'un des supercross les plus importants d'Europe, celui de Maastricht, justement. Dans le premier virage, Bale se fait coincer à la corde dans les bottes de paille après un départ prudent. Il ne lui reste plus qu'une solution, attaquer à outrance et repasser ses adversaires les uns après les autres. C'est dans ce genre de situation que ses interminables journées d'entraînement sur les terrains près de chez lui portent leurs fruits. Inlassablement, il reproduit les mêmes difficultés et apprend à les surmonter. Soumis à ce pressing, le grand Ricky Johnson lui-même, ainsi que Stanton et Bradshaw, craquent sous les attaques du kid de Manosque et Johnson, un peu déprimé, constate la situation. Je crois que c'est maintenant l'un des tout meilleurs pilotes du monde, mais je crois qu'il ne se contente pas seulement d'être pilote, il est aussi le meilleur dans tous les autres domaines. On se retrouve le 20 octobre 1991 à Villars-sous-Écho pour le départ de la première épreuve des Masters Chesterfield, seul motocross de cette série qui se poursuit ensuite par des supercross, dont Milan la semaine suivante. Du beau monde derrière la herse avec Everts, Schmidt, Vandenberg, Vekkonen et Ward pour tenter d'enrayer la tornade Bale, irrésistible cette année-là. Comme souvent, Jean-Michel prend un départ prudent pour éviter les accrochages des premiers mètres. Schmidt, Vandenberg et surtout Stefan Everts, le jeune Belge de 19 ans, n'ont pas l'intention de faciliter la tâche du Français qui va devoir user de tout son talent pour les déborder un par un. A choisi, le kit de Manosque va s'imposer en force en sortant plus vite de la courbe précédente.
Les 18 000 spectateurs en délire en ont pour leur argent, ils peuvent enfin se régaler du talent unique dont ils ont été privés toute la saison. Evert va confirmer son énorme potentiel en restant au contact du triple champion des USA. Il va démontrer ainsi qu'il est beaucoup plus qu'un faire-valoir en concédant un minimum de temps dans la première manche de Villars sous écho. Troisième, Donny Schmidt n'a pas pu s'accrocher et le public est gâté. Impressionnante domination du pilote français sur ce terrain extrêmement difficile. Très belle victoire de Jean-Michel Bayle dans cette manche. Avec 8 victoires officielles. Il est champion des États-Unis de 150 de motocross et il est depuis le week-end dernier champion des États-Unis 500. Mesdames et messieurs, le terrain reste toujours aussi lourd et la température aussi glaciale pour la troisième manche. Comme à son habitude, Jean-Michel se montre calme au départ, contrairement à Stribos, Vandenberg et Vekkonen. Mais JMB se met à ouvrir en grand et personne ne va lui résister. Vandenberg pourtant va lui opposer un moment cette résistance, mais sur le plan du moral, Jean-Michel ne craint personne. Une fois de plus, le retour du Français démontre l'écrasante domination qu'il exerce sur le cross mondial. Seule la deuxième manche a échappé à Bayle à Villars-sous-Écot,
à cause d'un très mauvais départ, et c'est Evert qui l'a emporté. Au général, Jean-Michel s'installe en tête des Masters 91 qu'il va dominer de la tête et des épaules à chacune de ses sorties. Ce sera du délire. Voilà pour cette première victoire de Jean-Michel Bayle dans le cadre de ses Masters 1991. Et un public toujours aussi chaleureux. Au mois de septembre 1991, juste avant l'épreuve de Villars-sous-Écot, l'élite du Supercross avait rendez-vous dans un cadre prestigieux pour une première en matière de sport mécanique, le premier Supercross du Parc des Princes. Couronné à trois reprises depuis quelques semaines seulement aux États-Unis, Jean-Michel Bayle allait devoir tenir tête aux crossmen américains déchaînés. Ses adversaires habituels, durant toute cette saison outre-Atlantique, humiliés par l'insolente domination du kit de Manosque, allaient tout faire pour rendre, en dollars, la monnaie de sa pièce à ce damné Frenchie, le tout devant son public. Une fois de plus, les 40 000 spectateurs en délire n'allaient pas être déçus. Jeff Stanton, Ron Lechine, Donny Schmidt et Larry Ward pouvaient toujours se surpasser. Bayle haussait encore plus haut le niveau de ses performances, de son engagement physique et de sa technique. JMB dominait outrageusement la finale et l'emportait devant le jeune Belge Stéphane Evert, champion du monde 125 en titre. Jeff Stanton lui-même était beau joueur, pourtant il avait chuté en finale en s'épuisant à tenter de suivre Bayle. Et un nouveau triomphe de Jean-Michel Bayle, cette fois devant son public français. Avec remise symbolique de la plaque de numéro 1 américain de Jeff Stanton à Jean-Michel Bayle. Changement de décor avec la baie de Monaco où se déroule le premier Chesterfield Off-Road Supercross à la fin de la saison 1991 sur un terrain tracé près du port de Fontvieille. Le numéro 19.
Auréolé de ses trois titres de champion des États-Unis, Jean-Michel a donc poursuivi sa razzia en remportant le Supercross du Parc des Princes et celui de Milan quelques semaines plus tôt. Pour lui donner la réplique sur ce terrain presque neutre, il retrouve presque tous ses adversaires du championnat US, en l'occurrence Stanton, Cooper, Larry et Jeff Ward, Voland, mais aussi Donny Schmidt et Stefan Everts. Bref, rien que du beau monde, le couteau entre les dents. On perçoit dans l'atmosphère comme une vague odeur de revanche. Le départ est explosif et Stanton, piqué au vif par l'humiliation subie sur ses terres, est venu pour démontrer qu'il reste capable de battre n'importe qui, n'importe où. Le tracé spectaculaire à souhait plaît aux Américains et Voland, capable du meilleur lorsqu'il est survolté, reste sur les talons du fermier du Michigan. Jeff Ward n'est pas loin non plus, tout comme Guy Cooper, Stefan Everts et Donny Schmidt. Seulement voilà, dans cette finale du samedi, Stanton en fait un peu trop et chute à la réception d'un saut. Quelques secondes pour se relever, mais c'est déjà trop tard. Voland et Bale en ont profité pour se glisser au commandement. Le terrain est lourd, fatigant, difficile, et la condition physique va faire la différence. Impérial dans les whoops, Bale décide de placer sa botte secrète dès qu'il sent son adversaire à sa portée. Voland essaie bien de résister, mais il commet une grosse faute dans les whoops et perd deux places supplémentaires au profit de Ward et Cooper. Gérant sa course avec clairvoyance et lucidité comme toujours, Jean-Michel n'a plus qu'à contrôler ses adversaires, à bout de souffle, qui ne peuvent rien faire pour se rapprocher. Talon Voland, épuisé, s'offre même un voyage au tapis. JMB remporte cette première soirée du Chesterfield Off-Road Supercross de Monaco, devant Guy Cooper, Jeff Stanton, Talon Voland et Donny Schmidt. Superbe victoire, une nouvelle pour Jean-Michel Bale, à nouveau devant Jeff Stanton dans la tribune officielle. Le prince Albert de Monaco est enthousiasmé par le spectacle. Sportif de haut niveau et passionné de sport mécanique, on se rappelle ses participations au Rallye Paris-Dakar. Il apprécie la performance alors que Stanton reste plus réservé.
La finale du dimanche permet d'assister à un scénario similaire dans les premiers mètres. Stanton a jailli comme un boulet de la grille et se retrouve en tête alors que Stefan Evert chute au milieu des whoops. Trop retardé et un peu sonné, peu à l'aise sur cette piste lourde, Evert va d'ailleurs préférer se retirer. Devant, Jeff Stanton poursuit son festival devant Larry Ward. Comme souvent, Jean-Michel, au milieu du paquet, observe ses adversaires et prend son rythme. Il sait que le temps travaille pour lui. Cette fois, le bras de fer est engagé. Bale met la pression et passe Wardy. Il a Stanton et Larry Ward en point de mire. Il exerce une pression sur ses deux adversaires et il va être bientôt récompensé. Larry Ward a commis une faute et Bale se retrouve deuxième dans les roues de Stanton. C'est la revanche du championnat US. Le spectacle est de toute beauté, le bras de fer impressionnant. Jean-Michel ne va pas tarder à placer une attaque, mais Jeff résiste et reprend son bien. Dans les tribunes, c'est du délire. Au coude à coude, les deux hommes survolent leurs adversaires et font le spectacle, mais Stanton résiste par tous les moyens. Dans leurs bras de fer, ils vont même jusqu'au contact direct, mais le combat reste loyal. Dix fois, on pense que Bale a trouvé l'ouverture, mais l'Américain trouve les ressources pour repousser l'attaque et parvient à garder quelques centimètres d'avance. Belle attaque à l'intérieur de Jean-Michel Bale, mais Stanton résiste à nouveau. Et voilà, le contact s'est produit, heureusement sans gravité, entre les deux leaders époustouflants d'audace. Nouveau une tentative de Jean-Michel Bale à l'intérieur, mais Jeff Stanton résiste encore. Très sportivement, les deux adversaires vont se congratuler après cette finale d'anthologie. Ils oublient qu'ils ne sont pas les meilleurs amis du monde. Décor identique, mais changement de climat pour la deuxième édition de ce Chesterfield Off-Road Supercross de Monaco, les 31 octobre et 1er novembre 1992, pour ce qui est l'une des dernières courses de motocross de Jean-Michel Bale. Bobby Moore, Jeff Matiasevich, Parker, Voland, Antunes, Matson, Ward sont venus donner la réplique à JMB. Parker se retrouve devant lors de la finale du samedi, mais cette fois, Bale a pris un bon départ et s'installe en deuxième position devant Voland. Plus loin, Moore est mal parti et tente de se frayer un chemin.
Sur ce terrain très lourd, Trompas Parker se montre brillant et résiste à la pression. Mais ce jeu du chat et de la souris a assez duré. Une petite faute de l'Américain et le double champion du monde prouve qu'il se battra jusqu'au bout de sa carrière de pilote de cross. Même si ses pensées futures se tournent déjà vers le bitume. La soif de victoire d'un champion n'est jamais éteinte. Et Bale démontre que seule la victoire est jolie. Voilà pour cette arrivée de Jean-Michel Bale à Monaco. À l'arrivée, justement, il va recevoir les félicitations de Talon Voland, deuxième. Yann Guédard termine troisième et les fous du cross commencent à se dire que le vide va être immense dans quelques semaines. La journée du dimanche se déroule dans des conditions météorologiques proches de l'apocalypse. Le terrain très lourd exige des hommes forts en parfaite condition physique. Trompas Parker barre une fois de plus la route à JMB, mais Bale s'arrache des ornières et survole son adversaire. Transformé en statue debout, les pilotes poursuivent à l'énergie leur trajectoire jusqu'au drapeau à damier. Aveuglé, le pilote de Manosque a même dû retirer ses lunettes qu'il a négligemment accrochées à son guidon. Dans ces conditions effroyables, la ténacité, la force de caractère et la condition physique ont encore une fois fait la différence. Tétanisés, des pilotes de talent comme Thierry Bettis regardent passer l'extraterrestre. Jusque dans les derniers jours de sa carrière de pilote de motocross, Jean-Michel Bale aura marqué la Terre. Mais dans sa tête, la page est presque tournée sur cette période de sa vie. Dernier mètre de Jean-Michel Bale dans la boue compacte du Supercross de Monaco. Et voilà, c'est terminé, on se tourne vers d'autres horizons. J'ai roulé pour la première fois avec une moto de vitesse au Japon quand j'étais allé pour le Supercross de Tokyo, donc l'année dernière. Et j'avais roulé à peu près 3 fois un quart d'heure, donc ce qui était relativement juste. Mais bon, ça avait suffi pour me faire déjà une bonne idée de comment était la vitesse et comment ça marchait un peu. Et après, j'ai roulé avec la 250 à Dominique Sarron au Paul Ricard. Fin 91, dès qu'il est parvenu à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés sur la Terre, devenir le meilleur pilote du monde, Jean-Michel Bale a donc décidé de poursuivre sa carrière sur les circuits de vitesse. Il y a beaucoup de choses communes entre le tout-terrain et la vitesse. Jean-Michel a appris à prendre des départs, Jean-Michel a appris à se battre au premier freinage, a appris à se bagarrer au sein d'un groupe, il a appris à supporter la pression de leader, il a appris à se comporter de manière professionnelle avec son team, avec l'usine Honda avec laquelle il travaille. Et je pense que tout ça, ça lui sera énormément bénéfique.
Pour faire bonne mesure après ses premiers contacts sur deux roues, Jean-Michel a saisi l'occasion d'en essayer quatre dans le baquet d'une monoplace sur le circuit du Mans. 6007, 6008. Oui, c'est une journée un peu d'amusement, quoi, histoire de voir un peu comment la voiture marche et tout se passe très bien. Donc pour le moment, et ça me fait énormément plaisir de rouler sur un 4 roues, surtout sur des circuits de vitesse que je rencontrerai certainement en 93, et en plus d'essayer une voiture qui a très bien roulé cette année. Donc ça me fait énormément plaisir. Un engin de course, c'est comme je pense tous les engins de course, c'est très difficile à manier et il faut énormément d'habitude. Et c'est une très bonne voiture, mais bon, c'est vrai que ça demande une technique assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Ses premiers pas se sont effectués sur le circuit Bugatti du Mans avec les monoplaces du Graf Racing de Jean-Philippe Grand, dont l'œil de spécialiste a tout de suite su déceler de nombreuses qualités chez ce nouvel élève. C'est un garçon fabuleux et je suis surpris de voir un garçon aussi bien équilibré, aussi simple, et je crois que c'est la recette pour arriver au plus haut niveau, et bon nombre de pilotes automobiles doivent s'en inspirer. Un hommage et une reconnaissance de grande valeur, à tel point que le kit de Manosque a pu ensuite s'installer aux commandes de la Formule 3. La deuxième chicane, il faudrait que tu braques un petit peu plus tard. Tu braques un peu tôt. Ah, ouais. Ah bah oui, ça va être pareil. Elle est pas naturelle là. Hein. Température d'eau 10 et 2. Cette monoplace est championne de France en titre aux mains de Christophe Bouchu. Et immédiatement après quelques tours d'accoutumance, Bayle se permet de tourner dans des temps dignes du championnat de France de la spécialité, l'occasion aussi de se pencher sur sa reconversion sur deux roues. Si j'avais continué, je l'aurais regretté, je pense, plus tard. Donc là, j'ai la chance d'avoir... Il y a certains pilotes de vitesse qui n'ont jamais eu la chance d'avoir une moto d'usine. Et j'ai la chance d'en avoir une, donc je vais en profiter et je vais essayer de faire mon possible. L'attaque, on l'a ou on ne l'a pas. Jean-Michel la possède naturellement, la preuve. À la fin de la saison 92, sa carrière de pilote de tout-terrain touche donc à sa fin. Quelle meilleure occasion de passer de la terre au bitume que le guidon d'or disputé sur le circuit Carole. Ce guidon d'or permet de faire un peu la transition entre le motocross et la vitesse. Et c'est vrai que c'est une super course et qu'il y a une très bonne ambiance et on retrouve les meilleurs pilotes de vitesse. Donc c'est toujours bon de prendre contact avec eux dans cette course. Plusieurs pilotes de Grand Prix viennent là parfaire leur sens de la glisse ou simplement pour le plaisir de se battre. Jean-Michel rencontre Wayne Gardner, l'Australien, champion du monde 500 en 87. Mais là on discute, on a la même moto, alors on parle un peu réglage, quoi. Donc même si on n'a rien trop à s'apprendre tous les deux, mais on fait chacun un peu les choses de son côté et puis bon, on discute, ça ne nous empêche pas de parler. Même si JMB n'a rien à perdre dans le cadre d'une épreuve de ce type, mi-terre, mi-bitume, il doit affronter les ténors de la spécialité, dont un certain Stéphane Chambon. Sur la grille de départ, Jean-Michel côtoie John Koscinski, Wayne Gardner et Alberto Pucci. Et c'est parti. Sur la partie terre, on se frictionne un peu et Koscinski est le plus vif devant Gardner, Pucci, Jobé et Bayle. La bagarre en tête est sans pitié et le petit Californien maintient ses adversaires à distance. Mais Jean-Michel va bientôt passer Jobé et produire son effort. Superbe dérive des deux roues pour ses pilotes, donnant le meilleur d'eux-mêmes sur cette piste très particulière. John Koscinski est toujours au commandement pour le moment. Et une petite erreur sur le goudron
va faire perdre quelques secondes à Jean-Michel Bayle, mais la hargne est la plus forte. Il repart et entreprend de passer ses adversaires un par un. En professionnel, Jean-Michel affine sa technique tour après tour. Il apprend la piste et ses pièges pour hausser le ton et poursuivre sa remontée. Bientôt, il va aussi vite que les plus rapides sur le bitume et lâche ses adversaires sur la terre. Pour sa première participation à ce type d'épreuve, il rejoint les meilleurs, mais l'édition 1993 du Guidon d'Or verra Jean-Michel Bayle monter sur la plus haute marche du podium à la fin de sa première saison de vitesse. Le kit de Manosque apprend très vite, il rejoint ainsi Eddy Lawson, Wayne Gardner et Stéphane Chambon au palmarès de cette compétition. C'est le temple du Supercross. Cette épreuve occupe une place particulière dans le cœur et dans l'esprit des pilotes de cross. Depuis 1984, ils viennent là communier avec le public lors de cette grande fête du sport et du spectacle. Sur la ligne de départ, la concentration est à son comble, l'attention à son paroxysme. C'est souvent dans les premiers mètres que se joue la victoire. C'est là, dès que la herse disparaît, que l'on peut prendre une option sur la victoire ou perdre toutes ses chances. Sur ses propres terres, Jean-Michel Bayle reçoit les adversaires qu'il côtoie toute la saison sur les circuits américains. En 90, Jeff Stanton et Jeff Ward notamment sont venus là, fermement décidés à battre le kit de Manosque devant son public chéri. Le jeudi 29 novembre 1990, Bayle prend un départ canon dans la finale. Il précède John Vandenberghe, Guy Cooper et Colin Duckmore sur un tracé rendu plus rapide grâce à une extension sur les parkings de Bercy. Viril mais correct, comme aurait dit Walter Spongero, alors que devant, Bayle en tête, Vandenberghe 2, Guy Cooper 3. Quel départ, Jean-Louis ! Voilà, nous sommes ici dans cette portion plus rapide. Une nouveauté dans le cadre du Supercross de Bercy. 16 tours, tous les fans du Supercross sont là ce soir. Il y a une finale par soirée en 125 et en 250 cm3. Les 16 tours doivent être couverts sur cette piste éprouvante dessiné par John Savitsky et Jean-Luc Fouché, les meilleurs spécialistes en la matière. Jean-Michel va remporter brillamment cette finale du deuxième jour de Bercy 8. Le 1er décembre 1990, Jeff Ward a été le plus prompt devant Guy Cooper, Jean-Michel Bayle, Doug Dubar et Pedro Tracter, et le bras de fer est commencé. Ward et Cooper résistent longtemps aux Français, c'est la condition physique qui va faire la différence, surtout dans les fameux whoops, là où la technique de Jean-Michel est éblouissante. D'ailleurs, c'est là que Guy Cooper explose littéralement dans ses whoops. Il commet la faute et laisse le champ libre à Bayle, qui s'attaque maintenant à Ward. Cette finale, terriblement longue, terriblement éprouvante, pousse les organismes à leur dernière extrémité. Les pilotes vont au bout de leurs forces et bientôt, c'est au tour de Jeff Ward de déclarer forfait de manière extrêmement spectaculaire. Jean-Michel s'empare du commandement
Mais attention au retour impressionnant de Jeff Stanton qui paraît en pleine forme. Un peu plus tard, c'est l'Américain qui va commettre la faute à bout de force. Grâce à sa condition physique exceptionnelle, le double champion du monde a fait craquer tous ses adversaires. Puis c'est au tour d'Yves de Maria, très bien placé, de chuter lourdement. Cette finale-là, celle du premier soir de Bercy 8, c'est sûrement la plus belle. Cette fois, Ward est devant, Stanton deuxième, et Bale exerce sur l'Américain une pression terrible. L'estocade ne va pas tarder, portée de manière hyper spectaculaire grâce à un triple saut qu'il est le seul à oser. Mais Stanton s'accroche. Le fermier du Michigan est un coriace, pourtant, il doit s'incliner définitivement. Bale doit maintenant se lancer à la poursuite de Jeff Ward, qui a filé en tête depuis le départ et qui roule à la perfection. Follement encouragé par les 13 000 spectateurs en délire, Jean-Michel tend ses trajectoires, hausse encore le ton, augmente le rythme. Le petit Américain est exténué, ses trajectoires se font hésitantes. Il louvoie sur la piste et Bale, impérial, devient le roi de Bercy, à un tour et demi de l'arrivée et remporte ce jour-là sa première victoire à Paris. Avec 3 succès consécutifs pour cette 8e édition du Supercross de Bercy, Jean-Michel Bale entre définitivement dans la légende de cette épreuve où il ne s'était encore jamais imposé. Tenant du titre à Bercy, Jean-Michel porte le numéro 1 pour l'édition 91 du Supercross. Triple champion des États-Unis cette saison-là, il a humilié les Américains chez eux. Ils sont donc venus en force pour le contrer chez lui à nouveau. Jeff Stanton, Damon Bradshaw, Guy Cooper, Jeff Ward, Mike LaRocco sont là, sans oublier Larry Ward, Mike Kidrowski, Doug Dubar et le jeune Belge Stéphane Evert. D'ailleurs, Damon Bradshaw s'est imposé le premier soir et Larry Ward le deuxième. Ce soir, c'est la revanche. Le départ est très chaud. Cooper, Stanton, Dobb et Bradshaw filent devant. Bale se retrouve en cinquième position dans le premier tour. Mais il se lance dans une de ces remontées dont il a le secret. Toujours très lucide, il va doser son effort. Et Guy Cooper commet bientôt une faute, Jean-Michel va se retrouver troisième. Devant, Bradshaw sent venir le danger et il se débarrasse de Stanton. Dans les whoops, JMB est toujours aussi technique et physique. Il maintient la pression sur les deux Américains et place une attaque sur Stanton, mais le fermier du Michigan réagit. Attention à l'attaque de Jean-Michel Bale, la voilà. Et la réaction de Stanton. Un peu plus tard, la deuxième attaque va être la bonne. Maintenant, Jean-Michel est deuxième, il remonte sur le leader.
Dans le public, c'est le délire. On sait que le Français n'apprécie pas Bradshaw, c'est un euphémisme. La bataille entre les deux hommes est grandiose et atteint des sommets en intensité. Les 13 000 spectateurs hurlent debout, ils ne s'y trompent pas. Comme presque toujours, c'est dans les whoops que Bale va faire la différence. Plus fin, plus technique, mieux dans le rythme, il oublie Bradshaw et s'impose imparablement. Le public a conscience de vivre un moment important de l'histoire de Bercy. Et voilà Jean-Michel à nouveau dans le chaudron de Bercy. Et je venais ici pour essayer de gagner une course et j'ai un peu raté mes deux premières soirées. J'ai fini quand même deux fois deuxième. On a eu des petits accrochages. Mais ce soir, j'ai gagné, donc ça me fait énormément plaisir de partir de Bercy 91 avec une victoire. Jean-Michel Bayle, Damon Bradshaw, Jeff Stanton, Greg Albertine, Jeff Emig, Woody's Bye Bye. Bercy 92 maintenant, pour sa 10e édition, restera comme la dernière épreuve de cross à laquelle Jean-Michel Bayle ait participé. Au fait de la gloire, ayant tout gagné, il a décidé depuis un an déjà de mettre un terme à sa carrière de pilote de motocross avant de se tourner vers la vitesse. Un pari fou, risqué, audacieux, bien dans l'esprit de ce champion hors du commun qui reçoit l'ovation formidable de ses milliers de fans, ceux qui le suivent depuis tant d'années sur tous les circuits du monde. Dans un quart d'heure, il y aura donc mon tout dernier départ en motocross. Mais ce dernier départ en motocross, il sera suivi par d'autres départs l'année prochaine, avec un feu rouge et vert. Donc j'espère que pour moi, ces nouveaux départs qui se dérouleront avec un feu seront aussi, me donneront autant de satisfaction que ceux que m'ont donné le motocross et le supercross. Mais bien sûr, je me rappellerai toujours et toute ma vie l'ambiance qu'il y a eu ici et toutes ces superbes soirées que j'ai passées et toutes ces superbes victoires et toutes les superbes banderoles que je vois ce soir. Merci beaucoup. L'émotion est à son comble, perceptible pour une fois, même chez ce champion exceptionnel qui va se livrer jusqu'au bout. Stanton est le plus rapide dès le baisser de la herse devant Yann Guédard et Rob Ehring. Brian Swink commet une faute et se retrouve par terre, Jean-Michel peut se faufiler à l'intérieur. Stanton, Guédard, Dobb et Ring sont devant. Bale n'est que septième, juste devant la nouvelle étoile US qui va lui succéder au sein du team American Honda et au palmarès du supercross américain, Jeremy McGrath. Jean-Michel trouve rapidement ses marques et dans les whoops, il place une accélération phénoménale. McGrath a du mal à suivre. Le rouleau compresseur est en marche. JMB sait doser son effort comme personne. Il remonte en quatrième position en passant irrémédiablement Rob Ehring. Puis c'est au tour de James Dobb de sentir la pression. Un obstacle surmonté par Bale au moment choisi par lui, à nouveau dans les whoops. Puis il se lance à l'assaut de Yann Guédard en deuxième position.
Bataille de Français pour cette deuxième place et Bail passe irrémédiablement. La tornade Bail n'a donc fait qu'une bouchée du Français. Il ne reste plus que Stanton, isolé en tête depuis le départ, mais Jean-Michel a décidé d'aller le chercher. À l'amorce du dernier tour, les deux hommes sont roue dans roue, la tension est à son paroxysme. On sent que les deux pilotes ont tout donné sur le plan physique et le plus fort gagnera. Nous sommes maintenant dans la portion rapide, voilà. Retour dans le chaudron de Bercy, dans l'avant-dernière épingle. Bail tente une attaque audacieuse mais très correcte, les deux hommes se touchent, mais Stanton reste devant. Cette fois, on croit que c'est fini, mais la volonté de JMB est incroyable. Il choisit la trajectoire extérieure et arrache la victoire sur le fil. Cette fois, c'est le délire absolu, Bercy est subjugué. Après l'arrivée, les deux champions se rendent mutuellement hommage d'un geste simple et sobre. Les superlatifs manquent pour évoquer le talent, la volonté, la ténacité de celui qui vient de livrer son dernier combat. Et on revoit ses actions sublimes. Au comble de la fête, Bercy rend hommage à son champion, à celui qui, tant de fois, a repoussé les limites du possible. À 23 ans, Jean-Michel Bail a donc démarré début 93 une carrière de pilote de vitesse en Grand Prix après avoir tout gagné en cross. Atteignant déjà les objectifs qu'il s'était fixés avec une superbe 8e place au Grand Prix de Grande-Bretagne. Son père Guy et sa fiancée Edwige évoquent la personnalité exceptionnelle de ce champion hors du commun à qui rien ne semble résister. Je n'y ai jamais appris à poser des challenges. C'est arrivé au fur et à mesure parce qu'il a toujours fait avec plaisir ce qu'il faisait. Et la progression s'est faite toute seule. Il n'y a pas eu besoin de pouvoir lui dire quoi que ce soit de ce côté-là. Il a besoin d'avoir des challenges à chaque fois qu'il fait quelque chose, même dans les loisirs. Il a toujours besoin de battre l'autre, de prouver qu'il va être meilleur que l'autre, même si l'autre est déjà un bon.